je donnais des cours de formation d'une semaine, qu'on a toujours donné, presque toujours, à l'Institut coopératif des Jardins. Et l'Institut coopératif des Jardins, on l'a occupé plus que le mouvement des Jardins l'occupait lui-même. Parce que l'Institut, c'est indépendant, c'est un nommé Gérard Barbin, qui adorait ce que nous faisions et qui adorait la CSN. Alors, il nous ouvrait ses portes toutes grandes. Lui, il nous ouvrait les portes. On n'avait pas de problème. Paul-Émile Girardin, le numéro 2 du mouvement, qui était le gros, parce que Montréal, c'était la grosse fédération, il avait accusé Gérard Barbin de couver sur son sein des vipères réchauffées. Terme exact. La vipère réchauffée, c'est à moi. Pourquoi réchauffée? Je sais pas, c'était le terme que Girardin a employé. De couver sur son sein une vipère réchauffée. Vous comprenez que quand Gérard Barbin m'avait raconté ça, on avait ri, hein?